Bonjour à tous, bonjour à Team Biquette. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur les autres chaînes. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Legend of Mushroom, sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir sur ma playlist. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo bien précise sur ce jeu, bah laissez-moi un petit commentaire, j'essaierai de la faire si je peux. Il y a tellement de choses à faire sur ce jeu. Pour ceux qui le veulent aussi, hein, vous pouvez rejoindre le Discord de la famille Biquette qui se trouve dans la description. Vous trouverez le lien dans la description pour rejoindre une communauté de FR sur ce jeu-là pour venir discuter, échanger et avoir des conseils, des codes et tout sur le jeu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo car j'ai enfin débloqué le level 100. Voilà, je vous ai déjà fait une petite vidéo, je pense que vous avez peut-être déjà vu. J'ai réussi à le débloquer à peu près un petit peu plus d'un mois. Donc logiquement, comme je l'ai dit sur la vidéo, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, logiquement, vous devriez y arriver en moins de un mois. Et quand on débloque le niveau 100, ben de suite, on veut savoir comment débloquer l'éveil. Eh bien, je vais vous montrer comment il faut faire pour débloquer l'éveil. Donc ce sera pas compliqué et pas dur. Pour le débloquer seulement, hein, pour débloquer, vous allez ici, le petit bouton qui se trouve là. Et ils me disent, les joueurs du niveau 110 peuvent activer l'éveil de classe. Donc il faudra être, une fois que vous avez passé le niveau 100, il faut être 110 pour activer l'éveil de classe. Après, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il faudra des composants pour pouvoir déverrouiller tout ça? Je ne sais pas du tout. Là, ils disent que vous pourrez activer l'éveil. Donc est-ce que ça va s'activer tout seul comme pour les autres, hein? Il faudra juste que je clique ici. Je crois, non, c'est même là, promotion. Non, promotion, c'est juste pour ça. À mon avis, ça va peut-être s'éveiller tout seul. Puisque là, quand vous allez sur classe, il n'y a plus de bouton pour pouvoir réveiller. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Mais voilà, il faut être 110 pour éveiller, pour passer au niveau supérieur. Donc, vous voyez, vous c'est marqué. Donc, le 100, vous avez un niveau. Et 110, vous aurez l'éveil. Après, excusez-moi. Après, il faudra voir. Si vous verrez des composants spéciales ou juste une fois que vous serez passé le niveau 110, ben vous aurez de suite l'éveil. Et moi, je serai passé de chasseur ombre à chasseur sacré. Donc, apte. Logiquement, si ça va bien, vu que j'ai mis à peu près un mois pour finir 100, je pense que en une dizaine de jours maximum, logiquement, je devrais être 110. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo aussi pour vous montrer comment ça se passe après, pour pouvoir le déverrouiller, comment vous le déverrouillez une fois que je serai 110. Allez, à très bientôt, hein, et comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je fasse une vidéo bien précise, laissez-moi un petit commentaire. Allez, sur ce, bonne évolution à vous, bonne game, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous et bonne game.